are welcome to a life-changing encounter with the Word of God, preached by Reverend Oko Butei-Doku. Taught and trained to be a chemical engineer, Reverend Oko has from 1998 dedicated himself to pastoring the Young People's Churches of the Lighthouse Chapel International, which is now known as SAVED. He is based in the Kodesh, Accra, Ghana, the headquarters where SAVED gathers virtually hundreds of young people from all walks of life to enjoy easy-to-understand, easy-to-relate-with preaching that is relevant. Reverend Oko travels the world holding programs for young people who experience the fresh breath of God's Spirit. His SAVED camps have churned out scores of young people with a fire for God and His work. Be blessed as you listen to God's Word as preached by His servant, Reverend Oko Butei-Doku. Hallelujah. You may be seated. Amen. There's a verse to that song. Il y a un verset qui va avec ce psaume. So later on we will learn that. Donc, plus tard on va apprendre cela. Amen. Amen. How many of you realize when I preach you understand? Comment entre vous réalisez quand je prêche, vous comprenez? You understand. Not that comprenez. You just, it's not that you understand English, but you understand what I'm preaching about. C'est pas que vous comprenez l'anglais, mais vous comprenez ce que je dis. Is there anybody? Is my preaching confusing? Est-ce que ma prédication est difficult to understand? Well, I have good news for you. Est-ce que j'ai des bonnes nouvelles pour vous? I brought with me a hard disk full of different messages that I have preached. J'ai pris avec moi un disque dur avec plein de messages que j'ai avec moi. All the messages I've preached since 2006. Tous les messages que j'ai prêchés depuis 2006. Sunday first service, Sunday second service. Le dimanche premier culte, Friday deuxième evening culte, service. Le culte du vendredi. And all the camps. Et tous les camps. That is a lot of preaching. Donc il y a beaucoup de prédications. And I am thinking of how to give it to you. Et je suis en train de penser à la façon avec laquelle je dois vous donner. But definitely not for free. Mais je ne donnerai pas gratuitement. Yes, at a cost. Mais avec un prix. Yeah, and so we are figuring out a way. But I'm just encouraging you to buy it. Donc je vous encourage à l'acheter. I have preached many things. J'ai prêché beaucoup de choses. When I am preaching, quand je prêche, I think about who I am preaching to. Je prêche, je pense à qui je prêche. A lot of times when people hear me preaching, la plupart des fois quand les gens m'écoutent prêcher, they say, hey. You preach this to children. Dis mais hey, toi tu prêches cela à des jeunes. Like if right now I tell them that I preach loyalty and disloyalty at a camp. Si maintenant ils entendent que je prêche for la loyauté et la déloyauté dans le camp. A lot of people are not used to that. A lot of people are not used to that. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à cela. They say I should come and preach Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Ils me disent il faut aller prêcher Marie et les petits agneaux, les petits agneaux, les petits agneaux. His fleece was white as snow. Que ses pieds sont blancs comme la neige. Yeah. They think that you people deserve milk and rice krispies. Je crois que des gens comme vous méritez vraiment du lait et des But when you are watching movies, mais quand vous regardez la télé, you watch the big ones. Vous regardez les films vraiment dangereux. Abraham, you are telling me about a movie, Nigeria Boy. Avant me raconter à propos d'un film nigérien. What boy? Niger Boy. I don't know Niger Boy. Garçon Nadia. Look at them, look at them, look at them, look at them. So Lady Basa Mary, me too, when I'm preaching, I don't preach Mary had a little lamb. Vraiment, je ne prêche pas Marie les petits agneaux. I preach to young people. Je prêche aux jeunes personnes. The word of God that I believe is able to convert your soul. La parole de Dieu qui est capable de convertir votre âme. And I've taught you that one of the ways that the word of God comes to us is through listening to preaching. Et je vous ai dit un des moyens par lesquels la parole de Dieu vient vers During nous, c'est par la listening to preaching. Où on peut écouter la prédication. Every opportunity I get, I listen to preaching. Chaque opportunité que j'ai d'écouter la I prédication. I was in my room, I was happy. J'étais dans ma chambre, j'étais heureux. Bishop preached a camp at the beginning of this year in South Africa. Le bishop a prêché dans un camp en Afrique du Sud. And the theme of the camp was tell them. Et le thème du camp était dites. Tell them. And he preached 100 reasons why you should be a soul winner.
Elle a prêché sur 100 raisons pour lesquelles vous devez être un gagneur d'âme. Eventually, he even crossed the 100 mark. Ça même dépassait les 100. And as he was preaching, I was just being blessed. Et pendant qu'il prêchait, j'étais juste béni. When you see somebody doing well in life, quand vous voyez une personne faire quelque chose comme it's cela, not a mistake. Ce n'est pas par hasard. It's not magic. Ce n'est pas magique. It is not Tinkerbell. You know Tinkerbell? Peter Pan. Quoi, just Peter wave Pan the wand like that. Magic wand. Avec sa baguette magique. Amen. Amen. So we'll figure out a way to get these messages to you. Donc, on est en train de voir comment vous apportez ces messages. Amen. How many of you buy when you how many of you have MP3 players? Combien de vous ont des MP3? Yeah, that's powerful. Des lecteurs Another MP3. Thing that we can also do is une chose que nous pouvons faire aussi. They can come and then we'll download it for them at a fee. Ils peuvent venir et puis télécharger à partir avec un prix. That's what I did in the US. C'est ce que j'ai fait aux États-Unis. I give you 2 gig of messages, $5. Je donne 2 gigas de mémoire pour $5. Is that? Most of the players. So whatever. So 1 gig, $5. Ou 1 giga, $5. I'm just saying we'll find a way because. On va trouver de toute façon une façon. When you sell the CDs also, you now have to put it on the computer, rip it, and so on. But when you have it on the machine, you can. That is what podcasting is all about, anyway. Just download the message at the feet. C'est plus simple de mettre directement sur and I was telling Lady Pastor Mary that I would have loved to give it to you for free. Et j'aurais bien aimé vous donner gratuitement. But things are changing. Mais les choses changent. When I sell the message, the money doesn't come to me. Quand je vends les messages comme ça, so l'argent ne vient pas vers moi. Don't think too much about me becoming rich. Pas tellement que je veux devenir riche par l'argent. It is for your benefit, not mine. C'est surtout pour votre bénéfice. Do you understand what I'm saying? Yes. Ce que je veux dire? In what is happening is that the young people's movement or SAVE, as we are called in Lighthouse Chapel International, is growing. Ce qu'on appelle le groupe des jeunes garçons est en train de grandir. And there are so many things that we are doing. Il y a beaucoup de choses qui se passent. And we have come to a point where we cannot always be begging mommy and daddy for money. Et il arrive à un point où on n'a pas toujours supplié les parents de donner de l'argent. And so one of the ways that we are raising money for SAVED. Et une des façons pour lesquelles nous cherchons de l'argent pour ce domaine-là, c'est en vendant ce genre de messages. And so when you buy a message, you are supporting SAVED. Donc quand vous achetez ce genre de message, vous aidez ceux qui sont dans ce groupe-là des sauvés. Some people are supporting orphans in Uganda. Il y a des gens qui aident les orphelins en Uganda. Et dans la région de Darfour. Support the gospel of Jesus Christ. Mais aider aussi l'évangile de Christ. It would be sad if one day you say we want Reverend Oko to come for a camp. Ça serait dommage si un jour on vous demandait de venir ici. No money to buy tickets. Mais il y a pas d'argent pour le billet d'avion. I know you'll be sad. Et ça serait vraiment dommage. But I know you'll be happy. You say we want Reverend Oko to come. You say because they bought the messages, there's money for tickets. Et ce serait plutôt bien de dire, est-ce que le révérend Oko peut venir, mais parce que vous avez acheté ces messages, alors il y a suffisamment d'argent pour le billet. So be loyal. Donc soyez loyal. And support the ministry. Et aidez le ministère. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Stages of disloyalty. Étape de la déloyauté. Stages. Les étapes. Disloyalty doesn't happen overnight. La déloyauté ne vient pas en une nuit. It doesn't just happen. Ça ne vient pas seulement comme cela. A person who becomes disloyal, une personne qui devient déloyale, or unfaithful, ou infidèle, usually goes through a process. Souvent passe par un processus. A husband who betrays the wife. Une femme qui trompe son mari. It usually doesn't happen in a night. Ça n'arrive pas en une nuit. A friend who betrays another friend. Un ami qui trahit un autre ami. Doesn't happen overnight. Ça n'arrive pas en une nuit. It goes through a process. Ça passe par un processus. And that is what Bishop has written in his book. Et c'est ce que l'évêque a écrit dans ce livre. And has called it stages of disloyalty. Et les a appelés les étapes de la déloyauté. We've already looked. Nous avons déjà regardé at why loyalty.
sur le pourquoi de la loyauté. We have looked at it being the principal qualification. On a regardé les qualifications principales. We've looked at it being the how we can prevent the fifth column. On a vu comment présenter la and cinquième all, colonne. And all these other points that we've learned. La cinquième colonne. Yeah. Stages. Les étapes. The first stage. La première étape. To becoming unfaithful. Pour déterminer ceux qui ne sont pas fidèles. Is the independent stage. C'est l'étape d'indépendance. Who is an independent person? Qui est une personne indépendante? A person who doesn't follow the rules that are in this house. C'est une personne qui ne suit pas les règles de la maison. Ghana is independent of Switzerland. Ghana, le Ghana est indépendant de la Suisse. Last week, la semaine passée, no, this week, on semaine, the 1st of July, le 1er juillet, Ghana celebrated a holiday. Le Ghana a célébré un jour de vacances. Did you celebrate a holiday on 1st July? Est-ce que vous avez célébré la fête du 1er juillet? You worked. Vous avez travaillé ici. We were drinking Coca-Cola and you were working. Nos Ghana on prenait des Coca-Cola mais vous ici vous travaillez. Why? Pourquoi? Ghana is independent of Switzerland. Parce que le Ghana est indépendant de la Suisse. So what happens in Ghana doesn't have anything to do with what is happening to you. Donc ce qui se passe au Ghana n'a rien à voir avec ce qui se passe pour But vous. But if you are in Ghana, parce que si vous êtes au Ghana, anything that happens on that day, ce qui se passera ce jour-là, will affect you. Va vous affecter. If you are in Lighthouse Chapel International, si vous êtes à Lighthouse Chapel International, what happens in the church, ce qui se passe à l'église, affects all the members of the church, affecte tous les membres de l'église. And so when you come to a place, donc quand vous arrivez à une place, where you realize, où vous réalisez, is this thing working? I can't hear myself. Hello. Bougez the team. Hallelujah. Otherwise, my voice will finish. It's better. When you realize you have come to a point in the church where the things that affect everybody don't affect you, you should be afraid. And understand that I'm becoming independent. We are praying on Tuesday. On a la prière le mardi. You say I pray on Wednesday. Oh non, moi je prie le mercredi. No. It doesn't work that way. Ça ne fonctionne pas comme cela. You have become independent. Vous êtes devenu indépendant. You see, the thing is that it's true. It's a free world. Effectivement, c'est un monde libre. And everybody has a choice. Et tout le monde a un choix. But your choice is leading you to unfaithfulness. Mais votre choix vous conduit vers l'infidélité. Yeah. Your choice is leading you to disloyalty. Votre choix vous conduit vers la déloyauté. You have a friend. Vous avez un ami. We are all friends. Nous sommes tous un ami, des amis. And then one person is having a party. Et une personne a une fête. And said, "Let's go to her party." Et on se dit, OK, allons dans sa fête. And one person says, "I won't go." Et une personne dit, je ne veux pas y aller. I'm going to the library. Moi, je préfère aller à la bibliothèque. It tells you something. Ça vous dit quelque chose. You should be careful. Vous devez faire attention. This girl, cette fille, with time, avec le temps, will no longer be our friend. Ne sera plus notre amie. You are watching TV. Vous regardez la télé. You've all decided that today we are watching Switzerland versus Turkey. Vous dites, OK, ce soir, on va tous regarder un match de foot Suisse-Turquie. So we are meeting in Leroy's house to go and watch Switzerland versus Turkey. Donc, on se rencontre dans la maison de notre ami pour aller regarder ce match. And then when you reach there, et quand vous y arrivez, one friend takes the remote control. Un de vos amis prend la télécommande. And he says, fiam. Et il appuie dessus. We are not watching Switzerland. We are watching American Idol. Moi, je préfère regarder. Je ne vais pas regarder le match de Suisse. Je préfère regarder l'équivalent de Popstar, mais aux États-Unis. How many of you will be happy with such a friend? Combien d'entre vous seront contents de ce genre d'amis? Please, how many of you will be happy with such a friend? S'il vous plaît, combien d'entre vous serez contents de how ce genre d'amis? How many of you realize that there's something wrong with that person? Combien d'entre vous vont réaliser qu'il y a quelque chose de mauvais dans cette personne? How many of you realize that? And not only that one, that any time you do something, et pas seulement là. The person is doing something else. À chaque fois que vous faites quelque chose, la personne, votre ami fait toujours l'inverse.
Be careful, please. Faites attention, s'il vous plaît. That is why women are scared when they cook and their husbands don't eat. C'est pour cela que les femmes ont peur quand elles cuisinent et leur mari ne mange pas. They are afraid of spiritual independence. Elles ont peur de l'esprit d'indépendance. Spiritual independiente. That's Spanish. L'esprit d'indépendance. They are afraid. Ils ont peur. I made food, he didn't eat. Ouais, j'ai cuisiné, mais il ne mange pas. Spirito indipendiente. Spirito indipendiente. Esprit d'indépendance. Is the first stage. C'est la première étape. And you should be afraid of people who are always doing something else. Et vous devez toujours faire attention de ceux qui font quelque chose d'autre. We are going for camp. On va dans un camp. Church camp. Camp d'église. No, I'm going for basketball camp. Non, moi je préfère aller à camp de basket. Yes, basket. Je préfère le basket. Be afraid. The person will leave soon. Que la personne peut-être will not survive to the end. Il ne va pas survivre jusqu'à la fin. The second stage. La deuxième étape. Is the stage of offense. C'est l'étape de l'offense. Somebody who is independent. Quelqu'un qui est indépendante. Will eventually become offended. Deviendra souvent. Teenagers, be very careful. Les adolescents, faites attention. When you are trying to force to become independent of your father, quand vous faites tout pour devenir indépendant de vos parents, it is a stage of disloyalty. C'est une étape de déloyauté. You are very soon going to betray your father. Très rapidement, vous pouvez trahir vos parents. I want my independence. Oh, moi, je préfère mon indépendance. You are 14 years old. Vous avez 14 ans. Your mother knocks on your door. Kaka kaka kaka. Ta mère tape à ta porte. Who is there? Tu dis, mais qui est là? I says, and your mother says, it's me, mommy. Et ta mère dit, mais c'est moi, ta maman. Mommy, I want my privacy. Please come later. Oh, maman, je vais être resté en privé. S'il te plaît, fous-moi la paix. I tell my people back home in Accra. Moi, je dis à mes gens au Ghana. That the day my son tells me he wants his privacy. Que le jour où mon fils me dit j'ai besoin d'être en privé. I won't talk. Je ne parlerai pas. I'll go away. Je partirai. But when I come back, mais quand je reviendrai, I'll come back with a carpenter. Je vais venir avec un charpentier. And the carpenter will remove the door. Et le charpentier va enlever la porte. He will remove the door. Il va enlever la porte. So that you can have as much privacy as you want. Pour qu'il ait suffisamment d'espace de temps privé. And if you know what it means to buy a door. Et si vous savez ce que ça veut dire acheter and une porte get a carpenter et prendre un charpentier pour fixer cette porte and build a house et construire une maison where the door can fit into the house, là la porte doit aller dans la you maison. Open your wide mouth, alors là vous ouvrez votre and grosse tell me bouche your independence. Et vous me dites je veux mon indépendance. Clap for me, clap for me. Applaudissez pour moi. Of course, as parents, we are wise. En tant que parents, nous devons être sages. We know you are growing. Vous savez, nous savons que vous at grandissez. At first, your chest was flat. Et au début, vos poitrines étaient now plates. Now you are getting cupcakes. Maintenant, cupcake. Vous avez les petites pointes. The gâteau is there. Orange. So of course, when you are dressing, of course, maybe your daddy, I mean, you are now even trying to get used to your own body. So now, when you were a child, you used to run around naked, run around everybody. Avant, j'étais en slip, tu te baladais n'importe dans la chambre. Mais maintenant so les choses ont changé. When I see my daughters running around there, I say, come and wear your pants. I won't come. Come and wear. I won't avant, come. Je disais, mais va t'habiller, mets ta première main pour t'en dire, non, je préfère rester en slip, je ne viendrai pas. I say, I give you only 11 years. Moi, je dis, je donne seulement jusqu'à l'âge de 11 ans. Daddy, don't come. Don't come. Oh, papa, s'il te plaît, je vais m'habiller là. Yeah. So. Donc, children who want independence at all costs. Les enfants veulent l'indépendance à tous les prix. It's a stage of disloyalty. C'est une étape de déloyauté. Which leads to the next stage. Ce qui conduit à l'étape suivante. Which is the stage of offense. C'est donc l'étape de l'offense. Offenses. Les offenses. You are now offended. Vous êtes maintenant offensé. Because you have an independent spirit. Parce que vous avez un esprit d'indépendance. You have your own mind. Vous avez votre propre pensée. And you are always wondering why are we doing it this way? Et tu te dis même pourquoi on fait toujours les choses comme ça? Reverend Oko, why is he wearing running shoes? Why has he worn a hat and is preaching? Why has he put earphones on his? Look, then you become offended.
Et vous dites, mais pourquoi le révérend, quand il prêche, il a toujours des baskets blanches, toujours un képi, toujours des écouteurs, mais c'est quel genre de style ça? Moi, je comprends pas. You become offended. Vous serez offensé. We say we are all going this way. On dit, on va tous aller pendant ce week-end. We say tonight we are fasting. Et ce soir, on va jeûner. You've already eaten supper. Ou vous savez pas. Maybe vous tomorrow morning. We'll fast. On va jeûner. Because you are not used to doing what everybody is doing. Parce que vous n'êtes pas habitué à faire ce que tout le monde fait. Yeah, stand up. Then stand. Then you. Nobody wants you. Stand. Sit up. You don't. Par exemple, levez-vous. Il y a des gens qui restent assis. Asseyez-vous. Les It's gens an qui... independent spirit. C'est un esprit d'indépendance. And it leads to offenses. Et ça conduit à l'offense. That's the second stage. C'est la deuxième étape. So be very careful. Donc faites attention. Very careful. Faites attention. That husband who didn't eat the food. Ce mari-là qui n'a pas mangé la nourriture. The next time, la prochaine fois, when he sees the food, quand tu vas voir la nourriture, the world food is this. Il dit, mais c'est quel genre de nourriture? Oh, come ça? On, clear it from my face. Enlève ça de ma vue. It's not at first when he comes home. I don't really feel like eating. Ou le dit juste un moment. Oh non, mais j'ai juste pas envie really de manger. Feel like, you know, I don't feel like going to bed. J'ai juste envie d'aller dormir. That, yeah. But the next time, mais la prochaine fois, what is dit, mais c'est quoi ça comme nourriture? C'est la nourriture food. Ça? Come on, try to eat. Wives, les femmes, you should be careful. Vous devez faire attention. He is climbing the stairs. Il est en train de monter en he niveau. He has climbed stair number one. Il est d'abord dépassé. Il était au niveau he numéro has climbed un. Stair number two. Après maintenant étape numéro 2. Your friends were always hurt. Vos amis qui sont toujours blessés. Ladies, always hurt. Toujours blessés. You can't say anything to them. Now, vous when you are talking to them, you have to be careful. Chaque fois que vous parlez, vous devez faire attention. I'll talk to you again. Je peux te parler. Plus jamais je vais te parler. Now, when please, excuse-moi. I mean, why should you be talking like that to a friend? Pourquoi on doit parler comme ça, un ami? Toujours, excuse-moi, pardonne-moi. She is about to go anyway. Parce que cette amie-là est prête de partir de vous. She is disloyal. Elle est déloyale. She's on her way. Elle est sur son chemin de départ. And if you are the one, et si vous êtes cette personne-là, begin to repent. Vous devez commencer à vous repentir. Because soon we'll see you clearly. Parce qu'on verra réellement for qui some vous of êtes. You are like that. Certains d'entre vous, vous êtes comme cela. Independent. Indépendant. Sitting at the back. Est assis à la, derrière. Sitting at the back. C'est à qui est assis derrière? Sitting at the back. Oh, why are you looking at them? This? I have not mentioned anybody's name. Je ne mentionne personne. You like separating yourself. Independent. At the back. And then when I say it, you become offended. Quand je vais dire, vous serez offensé. Leroy, smile. Otherwise, you leave us soon. Don't go. Don't go. The third stage. Troisième étape. After independence. Après l'indépendance. And offense. Et l'offense. Is the stage of passivity. C'est l'étape de passivité. That is now you don't do anything. C'est là où vous dites non, je ne veux plus rien faire. At first you used to be active. Avant vous étiez actif. You used to be involved. Vous étiez impliqué. We could tell you to do that, you'll be around. On pouvait vous dire d'être là, vous serez là. But now you are passive. Mais maintenant vous êtes passif. Neither good. Que ce soit bon. Nor evil. Ni mauvais. Kweku. That is what I'm saying. Passif. Play the piano. Oh, why? Oh, nothing. Oh non, le piano, non, je joue plus. Non, mais pourquoi tu joues plus? Oh non, mais y a rien. Nothing. It's not. Yes. Nothing. Oh, mais nothing. Y a rien. Y a juste rien. Mais j'ai plus envie de jouer. Je sais pas pourquoi. Just. Kweku. Passif. Kweku, passif. At first, when they preach, you used to lift up your hand and say amen. Avant, on prêchait, tu levais la main, tu disais amen. Leroy, amen. Yeah, but now you are passive. Mais maintenant tu es passif. Not you, I mean you, I mean the congregation, you. Not you, not you. Non, pas toi, c'est une autre personne. Pas toi. He is the bodyguard at the back. Lui, c'est le garde du corps au fond, derrière. Be careful of passive people. Faites attention aux personnes passivity passives. Passivity is not evil. La passivité n'est pas une mauvaise there. Chose. Vous êtes juste là. But it is a sign that you are on your way out. Mais c'est un signe que vous êtes sur votre chemin de départ. You haven't said it. C'est simplement que vous ne l'avez pas encore dit. And it may not have occurred to you. Et c'est peut-être pas encore venu dans votre tête.
I'm going to say something, but it's above you. Mais je voulais dire quelque chose, mais je pense que c'est au-dessus de vous. So I'll reserve it for another group. So what you call, you know? Thank you. Yeah. So be afraid of passive people. Donc fais attention aux gens passifs. Passif. Fourth stage. Quatrième étape. Now the person is no longer passive. Maintenant la personne n'est plus passive. But the person is now critical. Maintenant la personne devient critique. At first he used to say nothing. Avant il était seulement passif. But now he talks. Maintenant il parle, il répond. He said, Lady Pastor Mary. Lady Pastor Mary. Have you seen how she behaves like. Why? Comment elle se comporte? Look at Reverend Oko. His big stomach. He's wearing t-shirt. He should have worn boubou. Regardez le Reverend Oko. Mais pourquoi il met son t-shirt? You are criticizing everybody. Il aurait dû mettre un boubou. Vous critiquez tout le monde. Yeah. Look at how the girl is singing. Look at her. Look at her. Regardez comment ce gars. Comment il chante. Regardez comment il est. This church. They like money. Ils aiment l'argent. This messages that Reverend Oko brought, he should ces give it to us for free. Que le Reverend Oko amène, il doit le donner gratuitement. The Bible says, freely have you received, freely give. Le Reverend Oko déclare que vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. You have got to get criticized. Mais il commence à critiquer, He's a greedy man. But the problem is not that I am selling the messages. Le problème n'est pas dans le fait de vendre les messages. The problem is that you are already on your way out. Votre problème, c'est que vous êtes déjà sur votre chemin de départ. Amen. And as we are trying to build faithful men. Et pendant qu'on essaie de construire des gens fidèles. You are rather trying to build unfaithful men. Vous essayez de construire des gens qui ne sont pas fidèles. So you criticize. Par vos critiques. Amen. 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 What's the first stage of disloyalty? Quelle est la première étape? Seven is one. Independent. Everybody must have somebody that you obey. Toute personne doit avoir une personne qui l'obéit. Every church member should have somebody who can say, go and you will go. Toute personne doit avoir une personne dans l'église qui lui dit, va et il ira. If you are at a position where they say go and you say I won't go. C'est dans la position où on dit partez et vous ne partez pas. You don't belong in the church anymore. C'est que vous ne appartenez plus à l'église. Go to a church where you can obey. Allez dans une église où vous pouvez obéir. In Jesus' name. Au nom de Jésus. What's the second stage? Quelle est la deuxième étape? Offense. Offense. Who has been offended in the church before? Qui a été offensé dans l'église avant? Oh, I'm the only one. Mais it's a long time. Ça fait long temps. When you are offended, allow the offense to heal. Quand vous êtes offensé, permettez à votre offense d'être guérie. Amen. Allow it to heal. Permettez que cela guérisse. I've been offended many times. J'ai été offensé plusieurs That's fois. Why I'm saying that being independent and being offended, they are not evil per se. C'est pour cela que je dis être offensé. But you are on your way. Être offensé, être indépendant, ce n'est pas mauvais, mais c'est déjà un chemin. You are on your way to somewhere. Vous êtes sur un chemin vers quelque part. So when you see it, immediately correct it. Donc quand vous voyez cela en vous, vous devez corriger. So that you can remain faithful and loyal. Pour que vous restiez fidèle et loyal. Amen. Amen. You've let it go then also. Tu as laissé cela partir, n'est-ce pas? Il a laissé. Bien sûr, bien sûr. Lady Pastor Mary. pardon. Ah. On va parler. Non, c'est passé depuis. Avant. Passé. Laissez passer. Laissez passer. What's the third stage? Quelle est la troisième étape? Passivity. La passivité. Quatrième étape. Critical. Les critiques. Critiques. Let me bring it to the teenagers. Maintenant, je vais la At first, you just wanted your independence.
Donc, imaginons que vous êtes indépendant. Now, when I remove the door, donc, quand j'enlève cette porte-là and I threw it away, et je la balance ailleurs, you became offended. Vous êtes maintenant offensé. You became offended. Vous devenez offensé. Oh non, moi, je voulais être resté en privé. Qu'est-ce que tu fais là? Tu enlèves ma porte. C'est pas normal. Yeah. And then after, when you cool down, alors après, quand vous êtes devenu calme, passive. Alors vous devenez passif. Your mother calls you. Ta mère t'appelle. Yolanda. 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 Yes. Yolanda, how are you today? Comment vas-tu aujourd'hui? Je ne vais pas bien parce que tu as enlevé ma porte. She'll say, fine. Elle va juste te dire, non, oui, ça va. Are you going to eat? Je vais pas maybe. Manger. Tu veux manger? Non, peut-être. Let's go jogging. Allons no. faire du jogging. Non. Let's go shopping. Allons shopping. Not today. Non, pas aujourd'hui. So, is there anything wrong? Est-ce qu'il y a quelque chose de mal? No. Non. No. Nothing wrong. Passive. Passif. That's for only 2 days. C'est seulement 2 jours. On the third day, then the critical one comes. À troisième jour, les critiques commencent à sortir. Now when your mother talks, you talk. Donc maintenant, quand ta mère part, tu réponds. When she talks, you talk. Quand elle part, tu réponds. When she talks, you talk. Quand elle part, tu réponds. But after the critical stage. Mais après cette étape-là, comes a more dangerous stage. Il y a une étape plus dangereuse. It's called the political stage. Ça s'appelle l'étape politique. Now, you see, when you talk about politics, you are talking about groups of people. Quand on parle de politique, on parle de groupes de personnes. You are selling your ideas to other people. Vous vendez vos idées maintenant à d'autres personnes. So you call your brothers and your sisters. Donc t'appelles ton frère et ta sœur. So have you seen that mommy and daddy these days they've been very, very, very some way. T'as vu maintenant papa et maman comme ils sont ces derniers temps sont vraiment, vraiment, vraiment bizarres. Especially that daddy. Surtout ce papa là. Le papa là, lui là. Then your small brother, innocent. Et tes frères vont être là avec les yeux écarquillés en disant ils sont innocents, ils regardent, ils ne comprennent pas. Innocent small brother. Ils sont innocents, ils regardent, ils secouent seulement la tête. Now your sister. Your small sister, they haven't removed her door. Her door is still there. Ta petite sœur, on n'a pas enlevé sa porte. Sa porte est toujours là. Your father hasn't done anything to her. Ton père ne lui a rien fait. Now you are poison. You are transferring your poison to your smaller siblings. Maintenant ton poison, tu le transmets à tes petits frères, petites sœurs. So now your siblings also now when they see your mom. Pour que maintenant quand ta petite sœur va voir ta mère, elle aussi va commencer à bouder. Political. Ça c'est l'étape politique. Political. L'étape politique. You are involving other people. Vous commencez à recruter du monde. In the church. Même dans l'église. You want to go, go. Si vous voulez partir, partez. If you don't like the preaching, you don't like the preaching. Mais si vous n'aimez pas l'église, vous-même, that vous n'aimez pas door. L'église. Ça c'est la porte. Go. Partez. As they are preaching, pendant you don't prêche, like it. But everybody has to say, Amen. God bless you. Then you be looking. Pendant qu'on prêche, tout le monde lève la main et dit Amen, Amen. Then after church, you meet outside. Et après le culte, vous vous rencontrez à l'extérieur. Did you see Reverend Oko's preaching? T'as vu la prédication de Reverend Oko? It's not nice at all. Ce n'était pas du tout joli, agréable. When he's speaking in French, he'll be speaking manya. Il parle en français, il dit n'importe quoi. C'est pas juste. C'est pas bon. Then the other foolish people say, ah, et les autres autour de toi qui sont stupides vont dire, ah, mais oui, ah, mais c'est vrai, tu remarques maintenant. Je le remarque. Oui, vraiment, c'est vrai. Mais c'est juste, je l'ai remarqué aussi. You have become political. Et vous devenez politique. Small girl politics. Ça, c'est un petit groupe politique, là. In my church, I had some political girls. Dans mon église, il y a une fille politique. When they, I tell you, when they come to church, they are, today they are wearing pink, everybody pink. When they are wearing green, everybody green. Quand elles s'entendent, si ce jour-là, tout le monde s'habille en rose, elle s'habille en rose. Si ce jour-là, s'habille en vert, tout le monde s'habille en vert. I use sledgehammer to cut all.
nonsense, you can't bring political parties into my church. J'ai brisé tout cela parce que je ne veux pas qu'il y ait de groupes politiques dans l'église. Partisans, God bless, it's called partisan spirit. Je veux des partisans spirituels. It's very bad. S'il vous plaît, c'est très dangereux. They really, then they form a group. Alors ils ont formé and un then, groupe. And then people want to come and join that group. Et des gens voulaient rejoindre ce groupe là. And then when they come, your nose is too small. Go away. Quand elle venait, elle disait, mais regarde-toi, ton nez est trop petit, tu ne seras pas dans notre groupe, s'il te plaît, va-t'en. He said, what school do you go to? I go to Collège-Onan problem. Go away, it's a bad school. Tu vas dans quelle école? Oh, je vais à Collège-Onan. Oh, non, quel genre d'école? Non, va-t'en. You are one of those people. Why? You don't know yet. No. You are becoming political. Tu deviens politique. Humble yourself and listen to the preaching. I think the thing is affecting your heart. Si tu parles comme ça, c'est qu'il y a des choses qui affectent ton cœur. Ne faut pas devenir politique, ne sois pas déloyal. Reste tranquille. Yeah, reste tranquille. Et sois humble. But after the political comes an even more dangerous. Après l'étape politique vient une étape plus dangereuse encore. It's called open rebellion. Ça s'appelle la rébellion ouverte. La rébellion ouverte. Now you don't hide your feelings anymore. Cela veut dire que vous ne cachez plus vos sentiments. You lift up your hand in church. Vous levez votre main à l'église. And when the pastor is preaching. Pendant que le pasteur prêche. Oh, c'est pas toi, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est pas pour toi. So I want to ask a question. Alors parce que hey. Yolanda, it's not you. I love you. You know I love you. Non, c'est okay. Pas toi, Yolanda. So, moi, je t'aime. Church, okay. Je t'aime, ok? I love c'est you. C'est pas toi, je t'aime. Okay. Je t'aime. She has assured me that she loves me. Elle m'a rassuré aussi qu'elle m'aime. But these people, they don't hide it anymore. Non, là, ils ne cachent plus rien. Now they stand in front of you and people that you have brought them up. Des gens que vous avez élevés. Brought them up. Vous avez élevé ces gens. I remember recently one little girl. Je me rappelle récemment une jeune fille. It was Mary. She said, Reverend Oko, you haven't done anything for me before. Elle a dit, Reverend Oko, tu n'as jamais rien fait dans ma vie avant. I said, oh Father. Je dis, mais oh Père. Oh, c'est pas possible. He said, I can't. Now you haven't done. Non, tu n'as jamais rien fait dans well, ma this vie. Guy had never seen aeroplane before. I put her buttocks in aeroplane for the first time. Elle n'a jamais vu d'aéroport avant. Moi, j'ai mis ses fesses dans un avion. Oui, her buttocks. Ses fesses. In avion. C'est moi. Today you tell me. Sur les chaises de l'avion. Nothing for you. Et puis après, elle me dit, tu n'as jamais rien fait pour moi. Lady Pastor, what I'm preaching is not, you think that it doesn't apply to these children. It applies to them 200%. Vous croyez que ça ne vous concerne pas ce genre de prédication, mais ça vous concerne vraiment, pleinement. I told her, could you speak in tongues? Je lui ai dit, mais si tu peux prêcher, tu peux parler en langue. I prayed for you to receive gift je lui ai posé la main et elle a reçu le parler en langue. Et elle parle maintenant en langue. Today you've met some younger shrimp. Je dois rencontrer ce genre de gars là, je sais pas ce que c'est. Shrimp, you don't know shrimp. Ah. Rencontrer de genre de crevettes. Prawns. Manger. Prawns, you don't know prawns. Comme ça là. Small girl. Because the boy told her that she doesn't have to listen. She can hear God for herself. Simplement parce qu'un garçon lui a dit, mais tu peux écouter Dieu te parler directement. You don't need he said, you don't need a pastor. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. He said, I'll show you a sign. Alors il a dit, je te montrerai un signe. Go home. Va à la maison. When you wake up quand tu te lèves le matin, don't have your quiet time. Ne fais pas ton moment de dévotion. Attends d'abord. At one point in the day, à un moment donné de la journée, you hear a voice. Tu écouteras une voix. And the voice will say, have your quiet time. Et cette voix te dira, fais ton moment de dévotion. When you hear the voice, then you have your quiet time. Alors là, tu feras ton moment de dévotion. And that is the voice of God. Alors là, c'est la voix de Dieu. And that will show you that you don't need a pastor. Et là, ça te montrera que tu n'as pas besoin de Dieu. You can hear God for yourself. Tu peux écouter Dieu de toi-même.
So this boy took this my small girl. Donc ce garçon là a pris ma petite fille là. To a classroom one day. Dans son école un jour. Yes, and they were praying. Et ils priaient. They were praying. Et ils priaient. And the guy said, I feel the spirit of God. Le garçon dit, je sens l'esprit de Dieu en moi. He said, for God so loved the world. Et il dit parce que Dieu a tant aimé le monde. Lady Bassamay, it's today that I can say it and laugh. C'est aujourd'hui que je peux seulement parler de cela et rigoler. And first when I think about it, I cry. La première fois que j'ai entendu cela, j'ai pleuré. A small girl. Une petite fille comme ça. In high school. Dans son école. This monkey boy. De ce garçon singe là. He said, for God so loved. Il a commencé à dire, oh non, parce que Dieu a tant aimé le monde. Done in love. Donc, il a tourné toutes choses en amour. Is from God. Tout l'amour vient de Dieu. And immediately. Et il a commencé immédiatement. Even after that, still she couldn't see. Même après tout cela, elle ne voyait toujours pas le jeu du gars. Which brings us to the last stage of disloyalty. Et ce qui nous mène à la dernière étape de la déloyauté. It's called open. It's called after open. I've done open rebellion already. It's execution. Après, c'est l'exécution. Or destruction. Ou la destruction. Oh, I left out one stage. J'ai oublié juste une étape avant. I'm sorry. Je suis désolé. After the political stage. Après l'étape politique. We have the stage of deception. Il y a l'étape de déception. The stage where you now feel you are who you are not. C'est l'étape où vous vous rendez compte maintenant de qui vous n'êtes pas. What would make Satan rebel against God? Qu'est-ce qui a fait que Satan puisse se rebeller contre Dieu? Unless he thought he was more than who he was. À moins qu'il ne pense qu'il était plus grand que Dieu. That is why God reminded him, he said that, remember that I am the one who made you who you are. Et c'est pour cela que Dieu lui a dit, rappelle-toi que c'est moi qui ai fait ce que tu es maintenant. But it was too late. C'était trop tard déjà. He was deceived. Il était déjà déçu. He was deceived. Déçu. A lot of us are deceived. Beaucoup d'entre nous sont déçus. A lot of us don't know that our salvation is linked to the church. Beaucoup d'entre nous sont déçus en sachant que notre salut est relié à l'église. Now listen to me very carefully and don't misunderstand me. God knows every need. Dieu sait, connaît tous les besoins. And every individual. Et tous les individus. And that is why he has given us a lot of pastors. C'est pour cela qu'il nous a donné beaucoup de pasteurs. I know. Je sais. And I am convinced. Je suis convaincu. That I was made for Lighthouse Chapel International. Que j'ai été fait pour Lighthouse Chapel International. When I look at my life, quand je regarde ma vie, and my ministry, et mon ministère, I know that me joining Lighthouse Chapel was not a coincidence. Vous savez que moi rejoindre Lighthouse n'était pas une coïncidence. It was a divine leading. C'était une direction divine. And the funny thing about divine things is that a lot of times they look normal and natural. Et une chose particulière par rapport aux directions divines, c'est qu'elles paraissent d'abord naturelles. That is why I believe that I don't know what to take me away. C'est pour cela que je dis maintenant, je ne sais pas ce qui peut me faire sortir de cette église. I am not saying it to brag. Je ne dis pas cela en plaisantant. But I am saying it because I have found that my spiritual needs are met here. Je le dis parce que j'ai remarqué que mes besoins spirituels sont rencontrés ici. I remember that the time I was going through a very rough period. Je me rappelle que j'ai traversé des moments vraiment durs in my life and my ministry. Dans ma vie et dans mon ministère. I remember, I like sharing this thing because I had a dream before the thing started. J'aime bien parler de cela parce que j'ai eu un rêve avant cela. I was driving my car. Je conduisais ma voiture. And I reached a dead end. Et je suis arrivé a dead end. J'arrivais à une limite, donc à une fin. Yeah. And I had to turn. Et je devais donc tourner. So I backed up my car. J'ai reculé avec ma voiture. And there was a small hole before, I mean behind the car. Il y avait juste un petit which trou. Which I saw. Un petit trou derrière Ghana, la voiture que j'avais vu. All the roads are lined with gutters.
Au Ghana, toutes les routes sont... Ah, il y a des égouts à chaque côté de... For the rain, when the rainwater goes. Pour que quand la pluie vienne, que ça puisse descendre dans les égouts. Yeah, but and they are not covered. Mais c'est pas couvert. It's not covered. Ce n'est pas couvert. And we are used to it. Mais on est habitué à cela déjà. It's our country. C'est notre pays. We love our country. On aime notre pays. God bless our homeland, Ghana. Que notre Dieu bénisse le Ghana. Great and strong. Et fasse que notre pays soit grand et fort. So we have also learned how to drive with the gutters. Donc nous avons aussi appris à conduire ce genre de conduite. So when you reverse. Donc quand vous reculez. And then when you get there, then you break. Quand vous sentez que vous arrivez à cet endroit là. Vous freinez. Then you go forward a bit. Alors que vous avancez un peu. Then you rest again. Et vous reculez un peu, vous reculez un peu, vous reculez un peu. Et vous freinez. Then you... Et puis après vous avancez. So we've learned. Donc on a attendu. But in the dream, mais dans le rêve, when I reversed, quand j'ai reculé, and I knew that I have just stopped at the edge of the gutter, j'ai su que j'arrivais juste au moment où il y a, à l'endroit où il y avait cet égout. The gutter itself opened. L'égout tout d'un coup s'est agrandi. And my whole car entered the gutter. Et toute ma voiture est entrée dans l'égout. And then I woke up. Et je me suis réveillé. I said, wallahi. J'ai dit, it's not a good dream. C'est pas un bon rêve. It's not good. It's not good at all. Ce n'est pas un bon rêve du tout. Hey! I can't tell you everything that happened after. Je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'est passé après. But I was pushed to the wall. Mais j'étais poussé vraiment vers le mur. And I felt that my only option was to go. Et j'ai vraiment senti que ma seule option était de partir. But I remember standing in front of the mirror. Mais je me rappelle m'être tenu devant le miroir, crying, en train de pleurer. Tears down my face like that. Des larmes coulaient de mon visage. And I said, God. Et j'ai dit, Dieu. I don't know anywhere else. Je ne connais aucune autre place. Apart from where I am now. Si ce n'est l'endroit où je suis maintenant. If I go, I don't know how I'm going to survive. Si je pars, je ne sais pas comment je vais survivre. I'm not talking about eating survive. I'm survive as in survive as a Christian. Quand je parle de survivre, c'est pas en cherchant la nourriture, mais c'est survivre en tant que chrétien. I said, God, I'd rather stay. J'ai dit, Seigneur, je préfère rester. And go through this trial. Et aller à travers cette difficulté. And I thank God so much. Mais je remercie Dieu tellement. After that trial. Qu'après ces difficultés, ma vie s'est multipliée. Nothing about my life has been the same. Rien de ma vie n'était la même. Financially, financièrement, it was after that I got married. C'est en ce moment-là que je m'étais marié aussi. Donc, maritalement, socialement. Some of us, our destinies are linked to this church. Certains d'entre nous, notre destinée est liée à cette église. Yeah. If we leave, si nous quittons. Our lives will be different. Nos vies seront différentes. And so, it will be dangerous for us to reach a point of deception. Donc, ce sera décevant pour nous d'arriver à ce point de déception. To think that we can survive on our own. De penser qu'on peut survivre par nous-mêmes. I have seen it too many times. Je l'ai vu plusieurs fois. People were doing well in Lighthouse Chapel. Des gens qui faisaient du bien, qui it's not the only church. Ce n'est pas la seule église, ce n'est pas la meilleure d'ailleurs. But it is likely to be your church. Mais c'est quand même votre église. At least those are the people I came to preach to. I came to preach for posterity. Les gens qui sont moi je viens pour prêcher pour la postérité. I came to preach for into the future. Je suis venu prêcher pour le futur. And so don't be deceived. Donc ne soyez pas trompés. Don't think that you will survive. Ne pensez pas que vous allez survivre. You will backslide. Vous allez rétrograder. Stay in the house. Restez dans la maison. So after after the stage of deception, après l'étape de la déception, comes open rebellion. Donc vient l'étape de la rébellion verte. And after open rebellion, et après la rébellion verte, comes execution. Vient l'exécution. The rebels in the Bible, les rebelles dans la Bible, all of them, tous, they died foolish deaths, ont une mort stupide. Starting from Lucifer, en commençant par Lucifer. He was in nice heaven. Il était bien dans le paradis. He was one of the top three angels. Il était un des anges, les trois premiers anges. Be there. Il était là. And be happy. Et il pourrait être heureux. In Lighthouse Chapel, I'm not the senior pastor.
À Lighthouse Chapel, je ne suis pas parmi les pasteurs seniors. I don't need to be the senior pastor to be happy. Je n'ai pas besoin d'être parmi les pasteurs seniors pour être heureux. Bishop Ieti Saki. Le bishop Ieti Saki. He is not the senior pastor. Il n'est pas le pasteur senior. And he will tell you, I am not. Et vous dira que je and ne suis pas. He does not have to be. Et je n'ai même pas envie de l'être. Where he is content and happy and flourishing and doing well. Et là où il est bien, il fleurit, tout se passe bien. Il n'y a pas besoin de l'envier. Because that is where God wants him to be. Parce que c'est là où Dieu veut qu'il soit. Absalom. Absalom, son of David. Le fils de David. David loved him. David l'a aimé. How do I know? Comment je le sais? David himself said it. David lui-même l'a dit. He said, "When you catch my son, please don't kill him." Si vous prenez mon fils, ne please, le tuez pas. He's my son. C'est mon fils. Don't kill him. Ne le tuez pas. But Absalom, mais Absalom, he used to stand at the gate. Avait l'habitude d'être devant la porte that, listen, de la ville. My father is too busy. Et il disait aux gens, mais vous savez, mon père est trop occupé. He should get out. Vous devez partir de if là. You have a problem, come to me. Si vous avez un problème, venez vers moi. Absalom chased his father out of the city. Absalom a chassé son père de la ville. How did Absalom's life end? Comment la vie d'Absalom est terminée alors? Execution. Par l'exécution. Joab was one of the soldiers in David's army. Était un des soldats dans l'armée de Dieu de David. He was the one that David told. Il était une des personnes que David a enseigné. That when you see my son, don't kill him. Et lui a dit, si tu vois mon fils, s'il te plaît, ne le tue pas. This spiritual independent man, Joab. Cet esprit d'indépendance était en lui, en Joab. He said, you say you do what? You kill your father. Quand il a vu Absalom, il a dit, toi, tu as dit quoi? Tu as tué ton père? Wait for me, I'm coming. Il a dit, attends, j'arrive. Attends-moi, j'arrive, hein? J'arrive. He went for a spear. Il est allé prendre une lance. And he pushed it through Absalom's stomach. Il a poussé cette lance dans le ventre d'Absalom. David said, "Eh." David a dit, OK. Me the king, I've told you, don't kill my son. Moi le roi, je t'ai dit de ne pas tuer mon fils. You have killed my son. Toi tu as tué mon fils. No problem. Pas de problème. How did Joab's life end? Comment Joab a fini sa vie? He was killed. Il a été tué. Killed. Tué. I can go on Shimei. Je peux aller aussi but à Shimei. Chief of all betrayers. Qui est le chef de tous les traîtres. His name is Judas Iscariot. Ou alors Judas Iscariot. He is a carrot. Oh, is that not his name? Judas est la carotte. Ah, okay, sorry. Judas Iscariot. Iscariot. Judas is a carrot. Okay, Judas Iscariot. He was walking around. Donc, il marchait là. With God. Avec Dieu. God himself, oh. Dieu lui-même. Eh, je vous en prie, asseyez-vous tout de suite. Merci beaucoup. Mary, open rebellion. Uh-huh. Judas. Judas. He said, "Come." Il a dit, viens. I'll give you Jesus free of charge. Je donnerai... No, it's not free. It's not free. How much do you have? Je donnerai Jésus. I have 30. It's okay. You bring. À quel prix? Ah non, à 30 cycles d'argent. It's okay, bring. Il a dit non, c'est bon. Donne-moi cet argent là. Then he went to Jesus. Il est allé vers Jésus. He had gone to pray and was coming. Ils étaient en train de prier. He wasn't afraid. Il n'avait pas peur. He said, "Jesus." Il a dit, oh Jésus. Jesus looked at him. Jésus le regardait. Say you betray me with a kiss. Il dit c'est comme ça que tu vas me trahir par un baiser. When Jesus had died. Quand Jésus est mort. I thought Judas was now free. Je croyais que on croyait que Judas était libre. Is he not now free? Il n'était pas libre. He's free. Il est libre. He's free now. The one he betrayed has been killed. Parce que celui qui l'a trahi, il est devenu les morts. But he knew he was not free. Mais il savait qu'il n'était pas libre. He himself lui-même le savait. Went to look for a tree. Il est allé chercher un arbre. Put a rope around his neck. Il a mis une corde et s'est pendu.
I am yet to see a rebel do well. J'ai jamais vu de rebelle. May you not become rebels. Que vous ne venez jamais rebelle. May you be delivered from this one.